J'ai voulu aller au bout de ce qui était possible de faire. J'ai espéré qu'il y ait un changement dans la méthode, dans l'attitude. Ce changement n'est pas venu. Mini remaniement ministériel surprise ce lundi. Le président Broderson a annoncé ce matin un changement de ministre de l'économie, du budget et des finances. Tebaïti Pomaré a été remercié. Son conseiller technique Warren Dexter prend la relève. Il est l'invité de la rédaction. Nous verrons ensemble ses priorités et comment il compte relancer le dialogue avec le monde économique. Nous irons ensuite chez nos voisins calédoniens où la crise économique sévit. Face à l'explosion des demandes d'indemnisation, les assurances menacent de ne plus prendre en charge la garantie émeute. Une perspective difficile à encaisser pour les entreprises sinistrées qui veulent relancer leur activité. Et à Hawaï, la pluie de médailles continue pour la délégation tahitienne. À l'issue de cette quatrième journée des championnats du monde de va à vitesse, le Fénois conserve le haut du tableau avec près de 30 médailles d'or. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver. Changement de tête, de méthode, mais pas de cap. Tebaïti Pomaré n'est plus ministre de l'économie et des finances. Il est remplacé par son conseiller technique Warren Dexter. L'annonce a été faite ce matin par le président du pays qui souhaite que le dialogue avec le monde économique soit rétabli. Le reportage de Nicolas Pérez. Tebaïti Pomaré aura tenu 15 mois à la tête du ministère de l'économie, du budget et des finances. 15 mois marqués notamment par les déboires de sa loi fiscale. Acculé par les critiques, dès sa prise de fonction par le monde économique et par son propre camp, le désormais ancien ministre de l'économie a appris ce matin son débarquement du gouvernement. Bon, il n'était pas forcément ravi. Il ne s'y attendait pas ? Non, je pense qu'il ne s'y attendait pas. Voilà, ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré un petit quart d'heure. Pour motiver sa décision, le président évoque un manque de méthode. Je ne vais pas juger l'humain, c'est l'absence de concertation ou la faiblesse des concertations dans la préparation des dispositifs, principalement. Les responsabilités reposent donc dorénavant sur Warren Dexter, qui était jusqu'alors conseiller technique du ministre débarqué. Spécialiste de la fiscalité, le nouvel argentier souhaite améliorer le pouvoir d'achat des Polynésiens en s'attaquant aux produits de première nécessité. On s'est rendu compte que ces fameux PPN qui consistent à écraser la marge sur certains produits, ben en fait, ça a un effet inflationniste parce que les entreprises surmarchent sur le reste. Et quand on fait la moyenne, on s'étonne après que le panier des courses soit élevé. Donc ce n'est pas un bon système en définitive, c'est un système inflationniste. Il va falloir qu'on trouve le moyen d'inverser la tendance. Quoi. Du côté du patronat, qui avait rompu tout dialogue avec l'ancien ministre, on se dit pressé de se mettre au travail. On sait que c'est quelqu'un de compétent. Maintenant, on va se mettre au travail, on va se rencontrer. Voilà. Et puis on verra comment il communiquera. Mais en tout cas, voilà, nous, on est vraiment prêts à travailler avec lui. Pour eux, la priorité doit se focaliser sur la fiscalité pour la fin de l'année, le début de l'année 2025. Pour savoir, les entreprises veulent savoir où est-ce qu'on va. Voilà. Et la protection sociale généralisée, bien sûr. Le nouveau ministre doit désormais imprimer sa marque à l'occasion de la préparation du budget 2025 du pays. Et le challenge est énorme. Il l'a lui-même reconnu, Warren Dexter, le nouveau ministre de l'économie, du budget et des finances, est sur notre plateau. Bonsoir. Bonsoir, Tina. Alors, jusqu'alors, conseiller technique de Tebaïti Pomaré, dans l'ombre donc, vous êtes aujourd'hui le nouveau ministre de l'économie, du budget et des finances, un poste qu'on vous a déjà proposé il y a plus d'un an et que vous aviez refusé. Pourquoi dire oui aujourd'hui ? Ben, disons que moi, je suis technicien de métier et politique, c'est un métier différent. Moi, je suis davantage un homme de dossier qu'un homme en contact des gens. Mais c'est vrai que là, ça fait des années que j'observe les politiciens faire. Et puis bon, là, quand le président m'a dit qu'il souhaitait un changement, cette fois, j'ai accepté après un an de réflexion. Donc je m'engage dans ce qui est pour moi un nouveau métier. On a souvent reproché à votre prédécesseur un manque de concertation avec les acteurs économiques sur certains dossiers. Vous avez une certaine proximité avec eux, notamment avec le président de la CPME, on vient de le voir. Hein. C'est ce qui va faire la différence ? Je dirais qu'effectivement, l'atout que j'ai, c'est que je connais très bien pas mal de chefs d'entreprise, y compris la tête des organisations patronales.
Et effectivement, c'est vrai que je peux comprendre leur colère parce que c'est un certain nombre de dossiers, pas des moindres, des dossiers importants, on a omis de les consulter. Et vous avez tenté d'alerter le ministre lorsque vous étiez son conseil technique ? Alors oui, mais c'est des loupés parce qu'il n'y a pas eu de... Il y a des dossiers où il y a eu des concertations. Hein. Par exemple, le dossier des PPN qui est en décret actuellement, il y a bien eu des réunions avec la FGC et tout. Mais il y a d'autres dossiers qui, par contre, sont passés à l'as, ont été présentés directement au CESEC sans même avoir consulté des professionnels. Je pense que c'est ça qui a mis le feu aux poudres. On reviendra sur le dossier des PPN un peu plus tard. Mouettei Brodersson a dit ce matin, la feuille de route ne change pas, le cap ne change pas, c'est la méthode qu'il faut changer. Quelle sera votre méthode ? C'est la concertation. C'est vrai qu'en un an, on a eu le temps de bien réfléchir, de mettre en place un plan d'action qui contient des mesures intéressantes. On a déjà commencé à les déployer. Sur le plan de la fiscalité, c'est pour lutter contre la vie chère, parce que ça reste l'objectif prioritaire, c'est de réduire la fiscalité indirecte, qui, comme vous le savez, dans notre pays, est prépondérante. Donc c'est essayer de réduire la fiscalité indirecte qui est principalement à l'origine de l'inflation. On peut trouver d'autres sources de financement qui vont davantage aller vers les impôts directs. Mais effectivement, tout ça se fera toujours en concertation avec les entreprises. Justement, sur la forme, il y a eu les journées de prospective économique pour justement favoriser la concertation. Qu'avez-vous prévu ? J'ai envie de dire que pour l'instant, on n'a plus besoin de journées de prospective de l'économie puisqu'on a entendu, on a déjà fait 3 éditions. On a, comme je disais, pendant l'année écoulée, eu l'occasion de mettre en place un plan d'action intéressant. Maintenant, il faudra discuter chacune d'elles avec les organisations. Ouais. Justement, le budget de 2025 du pays se prépare déjà. À quoi ressemblera-t-il, y aura-t-il des mesures fortes et innovantes ? Fortes et innovantes, c'est vrai qu'on parle beaucoup de réformes fiscales, mais c'est davantage des ajustements. Il y a des mesures qui ont des impacts très importants, qui ne seront pas présentés cette année, qui nécessiteront beaucoup de concertations et beaucoup d'analyses techniques. Mais je pense que cette année, il n'y a pas de mesures importantes. Hein. L'avant-projet de texte est prêt. Et encore une fois, je ne manquerai pas d'aller solliciter l'avis des organisations pour mettre leur avis. Alors, je dis concertation, ça ne veut pas dire qu'on va être d'accord sur tout. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de leur dire, il y aura certainement des désaccords. Et si on maintient notre position, c'est qu'on aura essayé de la motiver. Et surtout, dorénavant, les chefs d'entreprise, ce ne sera plus fait dans leur dos, ils seront au courant. Voilà. Et en parlant de gros dossiers, vous en parliez un peu plus tôt, mais également dans le reportage que l'on vient de voir, le dossier des PPN que vous voulez supprimer progressivement, hein, pourquoi ? Pour l'instant, ça reste un objectif. Hein, c'est-à-dire que, par exemple, je n'ai même pas encore l'occasion de développer en détail la mesure hein, dans mon gouvernement. Donc, ça reste vraiment à l'état de réflexion. Mais en tout cas, une certitude qu'on peut avoir, c'est que, comme je disais dans le reportage, le système des PPN, en fait, en réalité, a un effet inflationniste. Parce que quand vous écrasez les marges, une partie des produits dans un magasin, eh bien, il n'est pas content, le chef d'entreprise, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il surmarche sur tout le reste. Et du coup, c'est pour ça que les gens, quand ils viennent, quand ils achètent des PPN, ah, c'est pas cher, mais ils ne peuvent pas se payer le reste parce que les prix deviennent exorbitants. Donc au bout d'un moment, il faut se poser la question, est-ce que ce n'est pas mieux de faire table rase, de revenir à un système où il n'y a plus de PPN, où on met tout à des marges convenues avec les chefs d'entreprise, hein, discuter avec eux pour des engagements contractuels, ce qu'on appelle des accords de modération. C'est l'alternative à laquelle on aimerait bien aller. Et vous pensez que les commerçants, les industriels joueront le jeu ? Ah mais complètement, parce que là, dans la grande distribution, les PPN, ça représente à peu près 10% de chiffre d'affaires. C'est les magasins de proximité, ça peut représenter jusqu'à 50% de chiffre d'affaires des produits dont on étrangle les marges. En moyenne, les PPN, c'est 7% de marge, c'est rien du tout. Et donc, je pense qu'ils seront tous partants. Après, c'est vrai que la moyenne des prix, par exemple, si on dit que tout le magasin sera à 15%, bien, du coup, ça devient un peu plus cher que ce qui était autrefois PPN. Donc, il faut qu'on trouve un moyen de compenser et on pense à un système d'aide directe, la fameuse 4 à topo qui était prévue dans les engagements électoraux du Tavini Uratira. On a travaillé dessus. Vous dites aussi que l'emploi, c'est la clé. Patrick Galnon, président du CA de la CPS, hein, dit qu'il faut créer 10 000 emplois pour compenser la suppression de la TVA sociale. C'est possible ? Il faut s'en donner les moyens. J'ai envie de dire que, effectivement, l'emploi, c'est la clé de tout. C'est-à-dire que quand vous créez des emplois, ben, du coup, ça rentre dans la consommation, ça alimente l'économie, ça a des effets vertueux. En plus, ça réduit les coûts sociaux, parce que ce qui était auparavant des aides sociales, ça devient des salaires, le paiement d'un travail effectué. Donc, j'ai envie de dire que si les chefs d'entreprise, à un moment donné, trouvent leur limite et n'arrivent plus à embaucher, il faut que le territoire vienne par ces fameuses mesures d'aide à l'emploi sur lesquelles travaille Mme Crolas. Et vous avez identifié des secteurs ? Pas encore, mais c'est un travail que l'on doit faire en partenariat avec le ministère de Mme Crolas. Okay. Un gros dossier du gouvernement, c'est aussi la réforme de la PSJ. Un calendrier de travaux a été mis en place par le ministre de la Santé, Cédric Mercadal. Où en est-on ?
Ah, ça, c'est vrai que c'était un sujet d'inquiétude, en tout cas pour nous, ministère des Finances. Pour rien vous cacher, quand le Conseil de gouvernement avait été constitué, on avait demandé à reprendre le même format que le précédent gouvernement, c'est-à-dire rattacher la PSG aux finances, parce que ça reste le poste de dépense le plus inquiétant en termes d'évolution. Donc c'est bien que les financiers puissent avoir l'œil dessus tous les jours. Au final, ça ne s'est pas fait comme ça. Mais on est heureux de constater aujourd'hui que sur le ministère de Mercadal, ils sont davantage à proposer des économies par les réformes qu'ils vont engager qu'à demander de l'argent supplémentaire. Parce que nous, ce qu'on explique, c'est l'argent supplémentaire, ben, il va falloir augmenter les taxes. Voilà. Une dernière question, Monsieur le ministre. L'annulation de la rétroactivité de la loi fiscale de votre prédécesseur a des conséquences. Le président du pays a dit qu'il veut éviter de réclamer de l'argent aux acteurs concernés par cette annulation, plusieurs centaines de millions de francs. Hein. Est-ce légal d'y renoncer? C'est toute la question. Là, aujourd'hui, il est question de rappeler 350 millions de francs, dont à peu près, je crois, 60 millions auprès des fameux primo-acquéreurs, parce que le reste, c'est des sociétés, mais il faut bien se dire qu'il y a aussi des particuliers. Les primo-acquéreurs qui sont déjà, se sont lourdement endettés pour acheter leur logement et à qui on va donc réclamer des impôts et taxes. Ça risque d'être dramatique. Et donc, effectivement, on met toute notre énergie à trouver un moyen et on va saisir le tribunal administratif pour sécuriser notre position si véritablement on pense qu'on a le droit de renoncer. Pour l'instant, la question n'est pas tranchée. On va pousser un peu. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui, en ce premier jour, en tant que ministre des Finances? Demain. Je suis quelqu'un qui aime relever les challenges. Après la cinquantaine, je me dis j'ai encore envie de découvrir de nouvelles choses dans ma vie. Et là, c'est le prochain challenge. Je sais que ça va être dur. C'est de la politique. Je ne dis pas que je ne connais pas. Encore une fois, j'ai baigné dedans depuis plus de 20 ans. Mais là, alors que pendant toutes ces années, j'étais derrière les feux de projecteur, du coup, je me retrouve devant. Sauf, on verra bien. J'ai pas peur, on va y aller. Et c'est sur ce mot que l'on clôture cet entretien. Merci Fatih d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci Marou. Autre changement de tête, mise à la CPS cette fois. Romi Nama quitte la direction de la Caisse de prévoyance sociale. Elle devient directrice de la santé. Vincent Dupont prend sa succession par intérim à la CPS. Au volet social, grève effective au sein de la société publique locale Tewira Pino Rarumatei en charge du service public de l'électricité dans certaines communes de Rayatea, Huahine et Tahaa. Les grévistes détaillent une dizaine de revendications parmi lesquelles l'alignement de leur salaire sur l'indice du coût de la vie. La distribution d'électricité est pour le moment assurée, mais le dépotage des hydrocarbures n'est pas envisagé. Aucun agent n'étant disposé à assurer la sécurité. Les camions-citernes ne sont pas autorisés à entrer dans la zone de stockage. On écoute Néfit Etouanoui, délégué du personnel, il répond à Rony Moufat. Alors, nous avons plusieurs revendications, notamment sur le CV, hein, CV de 2022, qui n'a pas été actualisé. Alors, nous avons une dizaine de revendications. Hein. Donc, on n'a aucun service minimum. Tout est bloqué. Bon, sauf si. Vraiment urgence, hein. Nous intervenons bien sûr, juste pour une mise en sécurité. Nous n'avons aucun agent à l'intérieur qui peut procéder au dépotage du carburant. Il ne peut tout simplement pas entrer. Vous êtes combien à peu près à faire grève aujourd'hui? Ben là, on est pratiquement à 90%. Hein. Un point également sur les autres mouvements sociaux dans les transports en commun. Nouveau préavis de grève déposé aujourd'hui par le syndicat autonome des réseaux de Tahiti. 18 points de revendication sont à discuter avec la direction. Si aucun accord n'est trouvé, la grève sera effective à compter de lundi à la première heure. Du côté de l'aéroport, nouvelle rencontre entre la direction d'ADT et l'intersyndicale ce lundi après-midi. Idem dans les sociétés de sûreté aéroportuaire. Je vous le disais en titre, après les émeutes chez nos voisins calédoniens, les compagnies d'assurance peinent à répondre aux demandes des sinistrés. Le coût estimé des dégâts s'élève à 265 milliards de francs. Les entrepreneurs sont nombreux à pointer du doigt la lenteur des versements. Un reportage de notre partenaire calédonien. Sur les 2540 dossiers à examiner, afin que les assurances puissent indemniser les sinistrés des émeutes, seuls 1240 ont été traités. Donc au total, ça représente 4 milliards d'acomptes ou d'indemnisations qui ont été versées pour les entreprises sur 120 milliards, donc c'est vraiment insuffisant. Suite aux dégâts causés par les exactions, les assurances ne prendront plus en charge la garantie émeute. Un problème majeur pour la reconstruction économique du pays. Puis les compagnies d'assurance en Nouvelle-Calédonie nous disent
vous pouvez redémarrer, mais nous ne sommes pas en capacité de couvrir les sinistres futurs qui seront dus à des émeutes. Ce qui veut dire qu'en fait, elles enlèvent la garantie émeute du traitement assurantiel de la Nouvelle-Calédonie, et ça, ça pose un problème. Les entreprises ne peuvent pas, voilà, ne peuvent pas redémarrer, ne peuvent pas avoir une perspective de redémarrage et de relance économique, et donc ça bloque tout le système économique calédonien. Selon UFC-Que Choisir, les assurances sont en droit de ne plus couvrir la garantie émeute. Par exemple, ils assuraient les bâtiments avec la garantie émeute parce que les émeutes, c'était quelque chose d'exceptionnel. À partir du moment où les émeutes deviennent presque certaines et habituelles, le risque est modifié. Donc l'assureur, il a le droit de ne plus vouloir prendre ce genre de risque. Et à ce moment-là, il a quand même une obligation, c'est de vous envoyer un courrier en vous précisant qu'à partir de telle date, il va fixer une date, votre contrat reste inchangé pour toutes les autres garanties, mais que la garantie émeute est exclue. Même complication pour les particuliers. Alba et son colocataire ont tenté de souscrire une assurance habitation auprès de 6 assureurs. Mais face aux clauses qui se sont durcies, ils ont pris la décision de se rétracter. J'ai contacté mon ancienne assurance, qui m'a dit que ça devait passer en commission, le dossier a été accepté. Mais j'allais aller signer les papiers, elle m'a rappelé en disant qu'en fait, il y avait un petit changement, que la franchise était passée de 31 000 à 120 000 francs. Donc elle a quadruplé. On a contacté d'autres assurances et pour l'instant, on n'en a toujours pas. Il y en a une qui nous a dit qu'il ne prenait pas de nouveaux dossiers et tous les autres demandent qu'on signe une décharge pour exclure tous les problèmes liés aux émeutes. Pour remédier à cette problématique, la CCI préconise 3 solutions. L'intervention de l'État pour le respect d'une lecture bienveillante des contrats, l'éligibilité du fonds assurantiel et la mise en place d'un fonds spécial porté par l'État, afin de permettre une continuité assurantielle. On quitte le Caillou pour les championnats du monde de va à vitesse à Hawaï. La délégation tahitienne a enchaîné les victoires et les récompenses pour cette 4e journée de course et elle conserve ainsi sa première place du classement. Résumé de Laure Philibert et Aruma Teriteho. Tahiti a enchaîné les victoires et récompenses pour cette nouvelle journée de championnat à Hawaï. A commencer par la course Master 50 des hommes en V12 sur 500 mètres et une première médaille d'or pour l'équipe de Raiatea Paddling Connection, championne du monde de sa catégorie. Une victoire à l'arraché après une réclamation. On est champion du monde en Master 50 ans, les amis, en direct sur TNTV. Oh là là. Complètement soulagé, ouais. En plus, il disait que c'était le couloir 3 qui était rentré dans la tour 4 alors que c'est Tamari Taravo. Donc, non, c'était incompréhensible, quoi. Voilà. Mais bon. Puis c'est au tour des Open Hommes, toujours en V12, avec la victoire de Puputa Hoe sur l'une des épreuves reines de la discipline. Oui, Tahiti prend la première et la troisième place, on dirait. Belle performance des juniors 19 hommes V12 et V1 avec les médailles de Teivini Pahuiri et de Deteva Afa'anui. De l'or aussi chez les femmes pour les Master 40 V12 avec l'équipe Ruahutu Varure Ava'a et chez les juniors 19 V12 grâce à Hihilana Va'a. Des médailles d'argent également pour les cadettes EDT Team Tamar Imataya, mais aussi pour les femmes de Master 50 en V12 avec Ruahutu Tamar Imataya. Enfin, du bronze pour la team OPT Rairo Ava'a en junior 19 V12 et Bora Bora Va'a en open homme V12. À l'issue de cette 4e journée, Tahiti caracole toujours en tête de classement. Résumé complet dans le magazine spécial championnat du monde de va'a vitesse d'Olivier Huc et Naya Bennett après cette édition. À l'issue de cette 4e journée, Tahiti totalise exactement 46 médailles, dont 27 médailles d'or. En deuxième position, la Nouvelle-Zélande avec 10 médailles d'or. Hawaï complète le podium. On félicite et on encourage bien sûr nos rameurs tahitiens. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au programme ce soir, le film La 5e vague, suivi d'un nouveau numéro d'enquête exclusive. Demain matin, rendez-vous à 10h pour suivre en direct TV Web la 5e journée des championnats du monde de va'a à Hilo. Agréable soirée à tous, à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.